Bienvenue sur le plateau de Plus d'actu. Nous sommes le vendredi 28 avril et ensemble, on va faire le tour de l'actualité. Elle a de nouveau été très chargée, notamment au fédéral, avec la démission d'une secrétaire d'État. On invite donc un membre de la Chambre des représentants. Un député fédéral qui a eu plusieurs vies avant de faire de la politique. Il a été reporter, présentateur de journal. Il s'est aussi essayé à une traversée du monde en ULM. Il s'appelle Michel Demagde et il siège pour le mouvement réformateur, le MR. Bienvenue à lui sur le plateau de plus d'actu. Bienvenue euh, Michel de Magde, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Bonsoir On l'a dit, tous. vous siégez euh, au fédéral et l'actualité cette semaine, c'est la démission de Sarah Schlitz, secrétaire d'État à l'égalité des chances. Euh, vous vous y attendiez C'était devenu intenable pour elle, voire normal alors, d'abord, j'ai envie de vous dire que je ne me réjouis absolument pas de cette séquence. Sincèrement, cette séquence, pour moi, euh, elle abîme le devoir d'exemplarité d'une un, personnalité politique, qu'il soit député, qu'il soit ministre. Elle abîme le concept de bonne gouvernance, qui est fondamental dans notre métier, et aussi, avec la réaction parfois complètement rocambolesque de l'intéressé et, et sa défense. Parfois enfin, même nauséabonde, elle dévalue l'image d'un ministre. Et donc je, je ne m'en réjouis pas du tout. Et oui, je pense que c'était de l'avis commun à la Chambre, euh, devenu intenable. Je, je vais vous dire que le premier jeudi déjà, il y a des députés du parti Groun. Donc, les écolos flamands qui m'ont dit Je ne me battrai pas pour elle. Mmh. Parce que, en effet, nous avons pu apprécier le mensonge qu'elle a pu euh, proférer à la Chambre. Et le mensonge en politique, c'est une ligne rouge. C'est une ligne rouge, on ne ment pas. Vous savez, les parlementaires sont là, et c'est leur mission, c'est l'une de leurs missions pour contrôler l'action du gouvernement. Donc, il est évidemment hors de question évident au niveau éthique qu'on ne peut pas mentir au parlementaire dans sa défense. Le mensonge c'est ce qui lui coûte sa tête. Elle va quand même rester députée et ça ce ne serait pas un problème. Écoutez, par rapport à l'institution en plus. Écoutez moi je suis légaliste et la loi le prévoit. Donc à partir du moment où elle est démise de ses fonctions, ou en tout cas elle a démissionné, euh, poussée dans le dos, il faut bien le dire, par euh, finalement sa propre turpitude dans cette histoire, eh bien oui, elle redevient députée, c'est la loi. Alors on a beaucoup de questions qui nous sont venues sur cette thématique et on se tourne vers la régie. Aline Walsdorf, bah oui, voilà, c'est vous qui euh, scrutez sur le LinkedIn, le Facebook de BX1 et c'est un des thèmes euh, qui ressort hein, dans les messages qui nous sont envoyés. Oui, tout à fait. Bonsoir, Michel Demagde. Alors, Bonsoir. oui, tout d'abord, un internaute, Julien, réagit. Il dit, je cite, Sarah ça a été attaquée par l'opposition, mais lâchée par la majorité. Il ajoute qu'on sent que les élections approchent et, selon lui, Écolo en est la cible. Alors, très clairement, je vais répondre tout de suite à, à Julien. Euh, Sarah Schiltz n'est victime de rien dans cette histoire. Elle est simplement coupable d'avoir. Demander d'avoir une publicité pour sa personnalité politique en échange de, de subsides à des associations, ce qui est parfaitement illégal, il faut quand même le rappeler. Mmh. Et ensuite, elle est coupable d'avoir menti aux parlementaires dans sa défense. Donc elle n'est victime de rien, elle a menti, c'est une ligne rouge, quand on ment, on doit démissionner. Si on vous comprend bien, il y allait avoir une motion hein, de défiance au Parlement, vous alliez la voter, ça allait être un vote. Euh, global de plusieurs parties de la majorité, parce que c'est quand même une majorité. On rappelle que euh, l'écolo est un partenaire du MR dans ce gouvernement. Je vous ai même expliqué que des, des partenaires, donc des, des parlementaires groen, m'avaient dit que je ne me battrai pas pour elle une semaine avant. Mmh. Donc il y avait unanimité sur le fait que malheureusement, cette défense a été catastrophique. Je ne lui jette pas la pierre personnellement. Je pense qu'elle a été très mal entourée. Rappelez-vous euh, sa défense rocambolaise quand elle a comparé le député de la NVA qui l'accuse d'un nazi. Enfin C'est mmh. franch, euh, franchement scandaleux. remercier quelqu'un qui faisait la comparaison. Mais donc cautionner les propos. Et donc c c'est franchement scandaleux. Vraiment, je pense qu'elle a été extrêmement mal conseillée, qu'elle a aussi fait des erreurs personnelles, et ce sont des erreurs qui sont illégales. Et quand on est dans l'illégalité et dans le mensonge, eh bien malheureusement, on ne peut pas continuer. Et je vais vous dire, ce n'est pas la première fois que sur cette législature ça m'arrive. Moi, j'ai eu l'occasion à trois reprises, de dans la presse, de dénoncer les mensonges du vice-premier ministre Jean Georges Gilles Quinet dans trois dossiers différents la nomination du CFO à la SNCB, la nomination du représentant belge au chemin de fer luxembourgeois, et la fameuse affaire de la suppression des guichets de 44 gares. Mmh. Et, Monsieur Gilles, qui n'est de la Mobilité, nous disait moi, je n'étais pas au courant, il n'y avait pas euh, dans le conseil d'administration de la SNCB de membres écolo. Mais il oubliait de dire aux députés qu'il y avait un commissaire de gouvernement écolo Et là, dans il n'a pas démissionné, lui Et il n'a pas démissionné. Je, je ne l'avais pas demandé parce que j'estimais que c'était à lui de faire le pas. Il n'avait pas démissionné. C'était peut-être un tempo euh, qui lui était plus favorable. Mais il faut dire une fois pour toutes que le mensonge en politique, c'est no way. Et je me demande parfois si, euh, au sein du fédéral en tout cas, les ministres euh, écolos ont dans leur cahier des charges le fait de devoir mentir. Parce que je suis extrêmement euh, circonspect. Euh, il faut moraliser la façon dont on attribue ces subventions. On a vu qu'il y avait un catalogue, qu'il y avait des règles. Oui. Vous dites euh, Ça n'est pas respecté, il y a, il y a des, des mensonges, c'est le mot que vous utilisez, en tout cas des, des cachotteries. C'est quand même pas rare que des ministres quel que soit le parti d'ailleurs, bah, soutiennent des projets qui leur tiennent à cœur, qui correspondent au programme de leur parti. Donc c'est assez logique qu'ils veuillent bah, utiliser Bien ça sûr. dans leur image. Alors il y a une différence entre soutenir des projets pour lesquels vous travaillez avec vraiment cœur et avec beaucoup mmh. de conviction, et de l'autre, obliger des associations, et c'était noir sur blanc, mmh. à mentionner le nom d'un politique sur des documents où ils ne doivent pas être mentionnés, en échange de subsides. C'est illégal, je vous l'ai dit, et là, c'est une ligne rouge qui est franchie. Il faut, il faut revoir quelque chose dans les codes ou uniquement dans le contrôle Non, je pense qu'en fait, euh, le contrôle s'est bien passé, puisque le rôle du Parlement, c'est de contrôler mmh. le gouvernement. Et vous il dites vous-même a... que ça a pris du temps ben, ça a pris du temps, mais le contrôle de. La, la séquence était une semaine. Hein. Donc, mm. euh, Sanderlohn a fait son contrôle en tant que parlementaire, d'autres députés l'ont fait aussi. Et finalement, là, on remarque que finalement, le contrôle de l'institution a, a très, très bien fonctionné. Mm. Alors, je voudrais venir sur une autre question d'éthique. Hein. Euh, ça a fait euh, d'ailleurs un article dans La Libre Belgique ce vendredi. On parle d'indemnité pour des personnes qui occupent des fonctions spéciales à la Chambre. On va faire simple ce sont des gens qui sont députés, mais aussi membres du bureau, donc qui participe à l'organisation du travail parlementaire. On peut peut-être regarder euh, cette infographie parce que ben voilà, elle, elle a fait la une euh, d'un quotidien euh, bruxellois. Euh, ça touche tous les partis, euh, majorité, opposition, droite, gauche, centre, euh, frais, des frais forfaitaires octroyés. Jusqu'à 6 000 euros nets, Michel de Magne mm -hmm. euh, quelle est la ligne de votre parti là-dessus Il faut faire un tabou la hasard. Vous saviez, vous, quand vous vous êtes lancé dans la carrière, d'ailleurs, qu'il y avait ce genre de rémunération complémentaire Bien entendu, il, y a quand même, il faut, faut être de bon compte quand il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Et donc, je peux vous le dire, non, je ne le savais pas. D'abord, je n'en bénéficie pas. Moi, vous mm -hmm. devez savoir que je me suis lancé en politique il y a 4 ans et que le régime de pension pour un jeune député comme je le suis depuis 4 ans est fondamentalement différent. Il est le même que pour monsieur et madame tout le monde, puisque je, suis à la fin, je serai à la fin de la législature, après 5 ans, si le gouvernement tombe pas au 5 45e de ma carrière et, de, et donc de ma pension. Mmh. Voilà, et je toucherai pour ça 743 euros bruts de pension. Comme ça les choses sont très claires. Mais est-ce je... qu est qu'il faut mettre à plat tous ces avantages légaux Parce qu'ils le oui. sont. Il faut les mettre à plat. Je pense qu'il n'y a pas de tabou en la matière, c'est mon avis personnel. Il faut une remise à plat sérieuse, mais une remise à plat qui n'est pas non plus poujadiste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à faire une forme de chasse aux sorcières. J'ai parfois l'impression pour le moment que c'était un petit peu ça, avec évidemment les partis extrêmes comme le PTB qui euh, font un écran de fumée en racontant beaucoup de mensonges, il faut le dire aussi. Mais il faut, euh, je pense qu'on le doit, la bonne gouvernance et la transparence, on le doit aux citoyens. Et oui, je pense qu'il faut une remise à plat euh, sur l'ensemble des processus. Est-ce qu'en effet, euh, quand on occupe une, une fonction spéciale, on doit avoir un, euh, une indemnité plus élevée de départ qu'un autre député. Je n'en suis pas sûr. Il faut analyser ça avec des experts. Maintenant, il faut dire aussi que, en moyenne, pour que les choses soient claires pour les téléspectateurs, en moyenne aujourd'hui, ce n'était pas le cas dans, dans le temps, mais en moyenne aujourd'hui, c'est une étude qui le prouve. Un député est député pendant sept ans. C'est assez court. Il doit ensuite se recaser. Il n'a pas de statut. Il faudrait peut-être veiller à créer un vrai statut. Il n'a pas de statut. En clair, s'il n'est pas réélu, il n'a pas de droit au chômage. Et donc, c'est pour ces raisons-là que l'indemnité est payée aux députés, pour qu'ils puissent à un moment donné rebondir dans la vie, si vous Sauf voulez. Sauf que ceux qui, ici, bénéficient d'indemnité, ce sont ceux qui ont de l'expérience, parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, donc ils sont membres du bureau, ils sont vice-présidents, voilà. ils sont ceux cela, cela. Et ils se la sont octroyés eux-mêmes quelque et part. Et cela, ça touche. Des députés qui ont une ancienneté beaucoup plus importante. Ça ne touche pas les nouveaux députés ouais. qui sont là depuis 2019 et, et les futurs députés. Heureusement, le système évolue. On est dans un autre climat, euh, mmh. une autre ère, si je puis dire. Une ère où la bonne gouvernance est fondamentale. Et je pense qu'il faudrait une remise à plat, qui est une remise à plat euh, sérieuse, mais qui est une remise à plat qui ne doit pas non plus devenir une espèce de chasse aux sorcières populistes. C'est la position de Michel de Magde ou du mouvement réformateur C'est ma position, mais je pense que beaucoup de gens l'épousent. OK. On va se tourner vers Aline Walsdorf de nouveau en régie, parce que sur la question des salaires, on on a aussi eu énormément de questions, mais aussi parfois de, de commentaires qui traduisent bah, une forme d'agacement, on va dire ça poliment, hein, Aline. Ah, on ne vous entend pas, Aline. Euh, je ne sais pas si la régie peut euh, nous assurer le retour son. Moi, je ne vous entends pas. Sinon, je lirai la question moi-même. Alors, je vais lire les, les, les commentaires qu'on a reçus. Laissez-moi juste le temps. Euh, pourquoi êtes-vous passé en politique Michel Demague vous demande Marilyn. Il y a, c'est elle qui le dit, de la corruption et de la mafia. Et elle ajoute Quel dommage. Pour Abdelaziz, faire de la politique revient à toucher le jackpot. Et je précise, ce sont deux messages parmi beaucoup d'autres. Mmh. Qu'est-ce que vous répondez à ces citoyens Objectivement en colère. Mm -hmm. Alors je comprends la colère. Hein. Je comprends la colère quand on entend euh, tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je rappelle que pour les députés qui, sont, qui se sont lancés en politique en 2019, ce n'est pas le même régime de pension. C'est un régime sur 45 ans pour avoir une carrière complète. Mm -hmm. Donc on n'est pas dans le même cas de figure. Je tiens à le dire. Je rappelle aussi que quand je me suis lancé en politique, j'ai décidé de n'avoir qu'un seul mandat, à savoir le mandat de député fédéral que euh, je fais à 200%. C'est-à-dire du lundi au vendredi, le week-end sur le terrain. Et donc voilà pourquoi je me suis lancé en politique pour répondre à la question de votre première euh, téléspectatrice. Tout simplement parce que j'avais envie de, 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 de comment dire, transformer l'essai. J'avais observé le monde hein, comme journaliste pendant 25 ans, euh, c'est mmh. long, et je voulais agir concrètement ce que je fais maintenant depuis 4 ans avec 21 textes adoptés à la Chambre, avec beaucoup de propositions fortes euh, et, et donc je pense que ça, c'est une plus-value sur la base de mon expérience de transformer l'essai en politique. À 4 5 e de la législature, euh, vous vous êtes déjà dit, euh, ça ne vaut pas le coup parce qu'ici on a encore pris les messages les plus polis mais il y en avait aussi qui étaient injurieux. Euh, vous, vous avez été prévenu par vos anciens collègues journalistes. il y en avait quelques-uns euh, dans la chaîne pour laquelle vous travaillez, qui, qui ont même rejoint votre parti, euh, qui vous ont dit attention, tu vas prendre des coups parfois pour les autres. Honnêtement, après 4 cinq ans, 4 ans maintenant, ça vous est arrivé. Oh, J'aime la prise de risque. Déjà, bien sûr, que j'ai pris des coups en politique, c'est mmh. évident. On en prend. Euh... Quand je dis des coups, c'est vous faire injurier. Euh, J'imagine l'accueil n'est oui. pas Alors, le même. Euh... Allez, très sincèrement, j'ai un regard neuf là-dessus, mais faire de la politique aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une forme de défiance populaire à l'égard de la classe politique qu'il n'y a jamais eu à ce point-là, je pense. En moment et donc ce pas un métier facile il faut mmh. le dire aussi c'est un métier quand vous le faites bien c'est à dire à 100% ce qui n'est pas le cas de chaque député il faut aussi être honnête quand vous le faites bien c'est un métier qui vous prend un temps énorme soir journée week-end c'est un métier qui vous demande une énergie très forte et il faut pouvoir résister aux pressions et les pressions elles sont là je pense que les réseaux sociaux ont augmenté ces pressions et que c'est vrai que derrière leur écran il y a des gens qui sont impitoyables j'inviterai peut-être à modérer certaines pages euh, euh, sur internet parce qu'en effet il y a beaucoup d'insultes et je trouve ça dommage et là-dessus, il faut aller plus loin dans la réglementation d'ailleurs des réseaux sociaux ou bien ça doit rester un champ de liberté Oui, alors moi je suis libéral et je tiens à la liberté d'expression évidemment, mais la liberté euh, votre liberté s'arrête où la liberté des autres commence. Et donc il faut à un moment donné euh, si vous voulez une, une forme d'équidistance, il faut à un moment donné euh, faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi et transgresser les lois. Si vous êtes mmh. raciste, si vous insultez les gens euh, à un moment donné, mais on peut déposer plainte aujourd'hui, mais est-ce qu'on doit aller plus loin dans le contrôle finalement et euh, se dire oui. bah tiens, y a des gens qui ont déjà été condamnés, les interdire de réseaux sociaux est-ce c'est -ce que est quelque chose que vous pourriez porter, vous Alors, l'interdit, ce n'est pas trop dans mon vocabulaire de libéral, si vous voulez, mais en tout cas, contrôler très certainement, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'il y ait un pont trop loin. Euh, ça peut engendrer une forme de violence très, très grave. Hein. Aujourd'hui, engendrer... on demande le, le aux au gestionnaires de, de sites de faire ce travail-là. Mais d'abord, tous n'en ont pas les moyens. Euh, euh, certains sont à l'étranger, ça ne les intéresse pas. Et donc, c'est une question qui est quand même compliquée. Oui, prenons le, le cas du harcèlement des enfants sur mmh. Internet. Il y a certains enfants, c'était dans l'actualité, qui sont passés au drame en sautant la vie parce qu'ils avaient été harcelés profondément sur Internet. Ça pose des questions quand même. Ça pose des questions sur la puissance nocive que peut représenter l'outil Internet ou les réseaux sociaux à un moment donné. Et oui, à un moment donné, il faudra peut-être légiférer en profondeur. Alors, Michel de Magde, vous euh, siégez dans la commission euh, des relations extérieures. Hein, vous vous intéressez aux questions internationales et vous avez représenté la Chambre à l'hommage aux victimes du génocide arménien. D'abord. Question directe, c'est vraiment bien. Génocide, c'est le terme que vous utilisez oui, bien entendu, c'est le terme que j'utilise parce que c'était le terme officiel de la Belgique mmh. officiellement. C'était Charles Michel à l'époque en tant que Premier ministre. On sait qu'à Bruxelles, notamment, des gens parfois se font tirer l'oreille, voire contestent non, non. le fait que ce soit un génocide, disent c'était un massacre, c'était des massacres. Non, non, non. Alors, il n'y a, a pas de hasard. Quand vous tuez 1,5 million Arméniens en 1915, c'est pour éradiquer les Arméniens du territoire. Mmh. C'était le régime ottoman à l'époque qui a perpétré mmh. ce génocide. C'est reconnu officiellement par une foultitude de pays et notre pays également, notre mmh. gouvernement, notre parlement. J'ai moi-même déposé une résolution. Et c'est très clair en la matière. Et d'ailleurs, j'ai fait instaurer à la Chambre une journée de commémoration des génocides reconnus officiellement par l'État belge. C'est le 9 décembre. Chaque 9 décembre. et bien, sachez qu'il y a eu deux, deux, deux cérémonies à ce jour. Et aujourd'hui, on commémore officiellement la survenance et les victimes, la mémoire des victimes du génocide arménien, bien sûr. L'année prochaine, ça fera 30 ans du génocide Oranda que vous avez couvert comme oui. reporter. Il faut que la Belgique se mouille dans ces commémorations-là c'est important. Et comme je vous le dis, cette journée des génocides du 9 décembre à la Chambre englobe les cinq génocides reconnus officiellement par les états belges, en ce compris le génocide des Tutsis au Rwanda. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous vous inquiétez de la situation au Haut-Karabagh. Oui. Euh, en quoi ce qui se passe dans ce pays, on va dire proche de la Russie, euh, est intéressant, interpellant pour nous les Européens, où on a. Plein de priorités. Euh, c'est interpellant, je vais vous dire pourquoi. Le Haut-Karabakh, c'est un territoire qui a euh, proclamé son indépendance à la chute de l'Union soviétique en 1991. C'est un territoire arménien, donc qui est entre l'Arménie mmh. et entre l'Azerbaïdjan. Si vous voulez, il y a une velléité du régime d'Erdogan, président turc, de, des azéries turcophones, mmh. de faire une grande Turquie jusqu'au territoire des Ouïghours en Chine, hein, une mmh. pan-Turquie, et de nier l'héritage, chrétien au demeurant, et euh, très occidental, des Arméniens. Donc euh, l'Europe doit s'occuper des Évidemment. chrétiens d'Orient si la... Non, je vais vous dire ce que l'Europe doit faire. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ça fait 138 jours que le Haut-Karabakh est une île isolée du monde. Hum. C'est-à-dire que le corridor de la Chine, qui relie, c'est un cordon ombilical qui, qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie, est bloqué. 138 jours. 109 jours sans électricité sur ces 138 jours pour oui. 120 000 personnes, vous entendez. Oui. 13 fois moins de denrées de première nécessité qui arrivent. Les gens ont faim, les gens n'ont plus de fruits, n'ont plus de légumes, les gens n'ont plus de soins de santé dignes de ce nom, les entreprises ferment tour à tour, c'est une véritable catastrophe humanitaire et l'Europe ferme les yeux. Et ça, c'est un véritable scandale. On peut se permettre en Europe de se fâcher avec Erdogan, alors que c'est le rôle qu'il joue dans d'autres crises aujourd'hui euh, On doit se fâcher avec toutes les personnes qui contreviennent à nos valeurs fondamentales. Et c'est le cas en Arménie. Il y a 120 000 personnes qui sont privées de tout, qui sont en danger de mort. Et après 138 jours, l'Europe n'a pas encore trouvé de solution. Il y a une bonne nouvelle c'est que l'Europe a accepté, sous notre pression députée, moi-même j'ai écrit une résolution qui est adoptée à l'unanimité à la Chambre, d'instaurer une mission d'observation de l'Europe au karabakh Parce que, que l'Europe plaide Mais... l'appel, l'Europe plaide la réouverture oui. du cordon, elle n'y arrive pas, elle n'est pas entendue, on doute que la Belgique puisse le faire, même si Adelabbi prend sa, sa valise et va là-bas euh, avec tous les fastes du ministre des Affaires étrangères, bah on va s'asseoir sur ses avis. Alors déjà, Adelabbi fait le job, elle mmh. fait le boulot, elle sensibilise au Conseil européen. Et Charles Michel, en tant que président du Conseil européen, fait le job aussi. Il s'est rendu à plusieurs reprises pour essayer de concilier le président azéri euh, Aliyev et le, le, le président euh, du Haut karabakh Et donc, oui, il faut continuer à faire pression. Ça va être une pression européenne. Et je regrette aujourd'hui que l'Europe soit timide dans ce cas de figure, tout simplement parce que, comme vous. Vous le savez peut-être euh, ou pas, on importe chez nous, vu la crise de l'énergie, du gaz qui vient d'Azerbaïdjan. Au demeurant, parfois du gaz qui vient de Russie et qui transite par l'Azerbaïdjan. Mmh. Il faut quand même être honnête et pas hypocrite avec les gens. On a vu Il dans que... une série de reportages qu'en ben, en fait on ne bloquait pas les exportations russes. Voilà. Elles transitent et elles, elles arrivent quand même chez et nous. elles viennent par l'Azerbaïdjan. Alors je pense qu'en effet on vit une, une, une crise de l'énergie extrêmement grave en Europe, mais ça n'est pas une raison pour renier nos valeurs fondamentales et le gaz n'est pas le gaz. Le, Azeri mmh. N'est pas une raison pour renier ses valeurs. Il faut venir en aide au Karabakh, il faut arrêter absolument ce blocus. Je rappelle que la Cour internationale de justice a condamné fermement ce blocus et a demandé au gouvernement Azeri de le lever sans vous aucune dites, réaction. Alors, vous dites, on va enfin pas dans la bonne direction, il y a une mission d'observation. Si, si elle constate, effectivement, elle va observer, elle va constater que voilà, le, le, le corridor n'est pas respecté, il faut quoi Il faut réclamer. Euh, une mission de casque bleu, une intervention plus forte, prendre d'autres sanctions encore plus fortes, quitte à se fâcher, voire contre la Turquie Bien sûr, c'est d'ailleurs le sens de ma résolution, la résolution qui a été adoptée, et que j'ai déposée, qui a été adoptée à l'unanimité à la Chambre. C'est de prévoir pour la première fois des sanctions très claires à l'égard du régime de Bakou, donc de l'Azerbaïdjan. S'il ne lève pas ce blocus, c'est la Cour internationale de justice qui le demande. Ce sont tous les pays démocrates qui demandent de lever ce blocus et d'aider ces 120 000 personnes qui sont en vrai péril au Karabakh. La situation est tendue aussi au Soudan. Euh, D'après un professeur. De l'université flamande VUB. C'est Vladimir Poutine qui est derrière. Euh, voilà, je vous cueille à froid avec ça, mais est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine. Désorganise le monde euh, et, et est-ce que du coup, ce qui se passe au Soudan, ça nous concerne ici en Belgique La Russie désorganise le monde et en tout cas le continent africain. Ça, c'est une évidence. On le sait, on l'a vu au Mali. Les forces françaises ont dû quitter précipitamment le, le Mali et ce sont les forces Wagner qui dépendent mmh. et qui sont en accointance Milice évidemment, privée. milices privées Wagner qui combattent aussi en Ukraine, euh, qui sont en train de déstabiliser toute une série de pays africains. Mais quel est le jeu de la compris, Russie là derrière Y vente. compris la République démocratique oui. du Congo et maintenant, en effet, je le pense, le Soudan. Le jeu, c'est simplement de déstabiliser l'Afrique. Pour mettre une pression sur l'ennemi de la Russie aujourd'hui, à savoir l'Occident, les Européens, qui aident l'Ukraine à se battre contre Moscou, comme vous le savez. Et euh, si vous mettez le chaos en Afrique, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un afflux massif de réfugiés euh, vers nos pays, hein, des gens qui fuient la guerre et il faut les comprendre. Eh bien, la Russie essaie de créer le chaos pour créer le chaos aussi en Europe. C'est son intention. Et je pense en effet, comme ce professeur que vous venez de citer, que ce n'est pas anodin ce qui se passe aujourd'hui au Soudan, mais comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, la Russie prend une ampleur. Terriblement inquiétante. Avec les réseaux sociaux, il y a une propagande incroyable. Des fake news à n'en plus finir. Et c'est extrêmement inquiétant. Il faut savoir que l'Afrique, ce sont nos voisins. Hein. sont mmh. nos voisins. Alors, euh, un autre dossier de politique internationale. Euh, L'emprisonnement d'Olivier Van de Castel. Que doit-on faire en Belgique Et surtout, que peut-on faire Voilà, l'Iran a fait un pas, Il demande qu'on lui transfère un détenu. Euh, on doit... Euh le faire, quelqu'un qui a été condamné pour terrorisme peut être libéré pour que nous récupérions un innocent Alors je vais être très clair avec vous, on doit tout faire, le possible et l'impossible, pour libérer Olivier Van de Castel. Olivier Van de Castel est en danger de mort dans sa cellule à Evin, la prison d'Evin en Iran. Il souffre le martyr, il a des séquelles physiques, et je ne vous dis pas évidemment des séquelles psychologique immense. Il faut tout faire pour le ramener. Le Parlement a voté le traité de transferment, a donné au gouvernement un outil pour pouvoir le faire. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Est-ce qu'il doit... Euh, transférer et échanger Assadi avec Van de Castel, ça c'est la responsabilité du ministre de la justice et du gouvernement. Il a Mais un cas de conscience là-dessus. Bien sûr. Bien si sûr. vous étiez ministre de la justice, quelle est la position de votre parti On transfère le détenu que demande l'Iran. Si vous étiez ministre, ce serait ma position. Ouais. Mais en tout cas, ce que je vous dis, c'est que moi je pense qu'il faut en effet faire ce transfert pour plusieurs raisons. D'abord, il faut faire ce transfert parce qu'en réalité, la vie d'Olivier Van de Castel est en jeu aujourd'hui. Mmh. Il y a un risque avéré de la mort d'Olivier Van de Castel et un risque potentiel qu'un jour Assadi revienne. Mais on 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 revient en Mais on crée un précédent. Mais Attendez, je vous dis aussi qu'Assadi sera libérable dans deux ans en Belgique. Vous préférez mmh. avoir Assadi libre en Iran ou, ou un prétendu terroriste qu'on avait pour tel, mmh. libre en Belgique. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Mmh. Et puis, je vous rappelle quand même que la Cour constitutionnelle a validé ce traité de transfert. Et donc, moi, je suis légaliste. À partir du moment où la justice le valide, j'estime qu'il faut l'utiliser maintenant. Mais ça vous pose quand même un problème de conscience. Comme à Vincent Van vous reconnaissez oui. que oui. on... d'abord, on crée un précédent qui va oui. peut-être en appeler d'autres. On donne du crédit au régime iranien C'est la moins pire des solutions. Ce dossier est malheureusement un dossier extrêmement complexe, un, un dossier hypersensible. C'est la moins pire des solutions, mais ce ne sera il n'y aura pas de bonne solution dans ce dossier. Il faut trouver aujourd'hui le point d'équilibre qui est complexe entre, d'une part, la libération urgente, vraiment très urgente, d'Olivier Castel, la sécurité nationale, mmh. fondamentale On évidemment. De quelqu'un qui a été condamné hein, pour avoir fomenté un attentat et, chez nous. Et la sécurité nationale des pays qui nous entourent, c'est-à-dire des pays de l'Europe. Donc mmh. c'est ce point d'équilibre qu'il faut trouver. Et là, je fais confiance à la diplomatie. Je n'ai pas évidemment tous les éléments en main aujourd'hui pour vous répondre puisque je ne suis pas moi-même ministre. Mais en tout cas, il faut libérer notre compatriote. Ça, c'est une... Vous ne vous, vous, vous assurerez pas si on entend qu'il y a cet échange-là, vous le soutiendrez au Ce parlant. sera la moins pire des solutions, mais ce sera pour sauver la vie d'un compatriote. Alors, je vais vous poser quelques questions à rafale sur des sujets qui ne sont pas fédéraux, mais dont on parle beaucoup à Bruxelles et donc forcément sur BX1. Juste encore un mot, oui. si vous le permettez. Par secondes. rapport à Van de Castel, je rappelle aussi. Que la sûreté de l'État nous avait dit, nous députés, il faut. Appliquer ce traité de transferment parce que ne pas l'appliquer, ça serait prendre plus de risques qu'il y ait d'autres enlèvements de Belges en Iran. Donc, quand on fait confiance à la Sûreté de l'État qui, qui arrête dit, avec d'autres Sûretés de l'État européennes, il faut aussi suivre l'avis de la Sûreté de l'État dans ce cas de figure. On, on serait ravis d'avoir la Sûreté de l'État en interview, ils sont moins locaux que les euh, parlementaires. Euh, question qui concerne beaucoup de Bruxellois, le plan Good Move. Euh, quel est l'avis du euh, bois fortois je pense, que vous êtes Est-ce que euh, on, on fait bien à Bruxelles de mettre en place ces déviations pour euh, éviter les transits à l'intérieur des trafics et les sur les grands axes, oui, non, très et simplement. Très simplement, je vous dirais que apaiser Bruxelles, c'est une très bonne idée, mais comme cela a été fait, c'était mmh. le chaos, et donc c'est pas le plan good move, c'est le plan bad move. Tous les Bruxellois sont d'accord là-dessus, ils sont furieux, et je les comprends, parce que je suis Bruxellois depuis toujours, et donc il y a grand temps de revoir la méthodologie de ce plan. L'évaluation des enseignants telle qu'elle est voulue par euh, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, votre parti en fait partie, enfin, partie c'est une ministre socialiste qui le porte, mais bon, avec le soutien du MR, évaluer les enseignants, c'est quelque chose d'important, euh, ou bien il faut en entendre les directions qui disent « on n'a pas le temps », les professeurs qui disent « mais 99% d'entre nous font très bien leur travail ». Oui, mais moi je crois que les enseignants font en effet euh, du mieux qu'ils peuvent le, leur travail. Donc ils ont raison d'être en grève et de et, manifester. Et il faut les remercier. Mais par contre, je vois aussi le niveau de l'enseignement qui se réduit drastiquement, qui devient de plus en plus compliqué. Vous voyez les, les classements internationaux en la matière, les classements PISA, et donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Et alors une dernière question en 30 secondes. Les congés de printemps vont débuter là ce lundi pour les francophones, pour les flamands. C'est terminé. Le député fédéral que vous il comprend cette différence entre les dates de congé, que ce soit pour les francophones ou les néerlandophones. C'est un vrai problème pour les bruxellois, parce que parfois, dans une même famille, il y a un élève qui est à la fois dans une école flamande et un autre. On aurait dans même s'abstenir chez est les dans francophones, une... ou on non, fait bien d'avoir notre calendrier Non, je pense que c'est un très bon plan, et que Pierre-Yves Géolet a, fait, a bien fait de faire ce plan, tout simplement parce que ça va améliorer le quotidien de chaque étudiant, de chaque élève. Et donc, c'est un bon plan, mais il va falloir faire des adaptations pour permettre à chacun de vivre ce plan correctement, parce qu'il y a aujourd'hui des familles qui ont été oubliées. Et et ça, c'est inadmissible. Merci, Michel Demac, d'être venu évoquer tous ces sujets avec nous. Euh, c'est la fin de euh, ces 25 minutes d'interview. La semaine prochaine, un autre invité. Et tout à l'heure, ne manquez pas le journal de Valérie Leclerc.